commencer par réaliser une pièce presque identique à celle-ci. Alors il faut prendre du fil d'aluminium plat et couper ce morceau-là de cette longueur-là avec un premier trou d'1,5 mm de diamètre, tous les trous d'1,5 mm de diamètre, une distance de 54 mm, 35, 35 et 54 mm. On prend cette pièce et on va lui donner la forme telle que celle-ci. Il va falloir ensuite faire une deuxième pièce avec des trous d'1,5 mm de cette longueur-là, identique à celle-ci. Ici, on va récupérer une vis dans une paire de lunettes. J'ai récupéré la vis, il va falloir maintenant visser tout ça ensemble en insérant cette petite pièce entre les deux. Et voilà, c'est maintenant vissé. Nous avons maintenant deux pièces presque identiques. La différence ici, c'est qu'ici il y a un petit trou, mais pas là. Sinon, les deux pièces sont presque identiques. Il va falloir maintenant suspendre une pièce à l'autre, donc utiliser un petit bout de fil. J'ai choisi une ficelle dorée, j'ai fait un nœud pour bloquer et on va relier les deux parties du mobile. À peu près comme ceci. Et je vais faire un nœud de l'autre côté. J'ai préparé trois ficelles identiques d'environ 17 cm. Et j'ai préparé un nœud sur chaque ficelle. Je vais pouvoir ensuite faire passer ces ficelles dans chacun des trous du bas. Les trois ficelles sont mises dans les trous du haut. La ficelle intermédiaire est mise. Il va falloir maintenant rentrer les ficelles dans les trous du bas et ajuster. Voilà, c'est fait, mais il reste, comme on le voit, encore quelques réglages à faire. Les fils à tendre, à couper un petit peu partout et ce sera fini. Le moment est venu de couper les fils.